What's up people, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super parce qu'aujourd'hui, vous pouvez voir là mon sourire que je suis super contente parce que je vais vous faire une vidéo très spéciale. Oui je sais, je dis tout le temps très spéciale à chaque fois, mais là c'est vraiment une vidéo très spéciale et chère à mon cœur, vraiment chère à mon cœur. Parce qu'aujourd'hui comme vous avez pu le voir sur le titre, je vais vous faire un tuto cuisine. Yes. Ouais, faut savoir que j'aime beaucoup cuisiner même si j'ai plus trop le temps. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Je suis un petit peu douée dedans. Hein. Voilà, pas faire, je vais pas faire la meuf non plus, mais tu vois, j'ai mes petits talents, tu vois, niveau culinaire et tout. Et aujourd'hui, je vais vous faire un plat. Je vais vous montrer comment je fais un plat très cher à mon cœur parce que c'est un plat qui vient de chez moi. Voilà, mon pays natal, là où je suis née, la République centrafricaine. D'ailleurs, s'il y a des Centrafricains, big up à vous, mettez en commentaire 236, on est ensemble. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait le gunja. Donc, il faut savoir que ce plat, en fait, il est très connu en Afrique. Il porte différents noms selon les pays et il se prépare de différentes manières aussi. Nous, on appelle ça gunja. En fait, c'est de la feuille de manioc, voilà, qu'on prépare avec de la viande, du poisson, arachide ou non. Enfin, pâte d'arachide ou non. Enfin, je vais vous montrer de toute façon comment on le prépare chez moi, en Centrafrique. Donc le gunja, quoi. Et il me semble que, par exemple, au Congo, on appelle ça pundu ou sakasaka. Donc, voilà. Si vous avez reconnu le plat et que ça vient de chez vous, donnez le nom en commentaire. Ce serait aussi intéressant de voir comment ça s'appelle dans différents pays. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui un des plats qui a bercé mon enfance. Donc, voilà. C'est vraiment une vidéo spéciale pour moi. Donc, j'espère que vous allez aimer. Donc, on y va, on se retrouve à la cuisine. On se retrouve à la cuisine. Désolée, la lumière, elle est pas top ici. Donc voilà. Donc je vais vous montrer maintenant, dans un premier temps, je vais vous montrer les ingrédients. Voilà, tout ce dont vous aurez besoin pour préparer ce plat. Donc, on se retrouve pour les ingrédients. Bien sûr, dans un premier temps, vous aurez besoin de sakasaka, feuilles de manioc pilées et congelées. Voilà, moi j'ai pris deux boules. Vous pouvez trouver ceci donc dans des magasins exotiques. Hein, voilà, généralement c'est en rayon congélation. Bien sûr, vous aurez besoin très important de la pâte d'arachide. Donc voilà, pâte d'arachide très très important. Nous en Centrafrique, on aime ça, on adore ça. On ne peut pas préparer le gunja sans pâte d'arachide. Enfin, en tout cas pour moi, chez moi, dans ma famille, c'est comme ça. Enfin bon, voilà, de sel bien sûr, de cubes, oignons pour plus tard, une aubergine, un poireau, voilà. Et bien sûr, vous avez le choix de préparer ça soit avec du poisson, soit avec de la viande de bœuf. Donc aujourd'hui, moi, je vais préparer ça avec de la viande de bœuf. Donc voilà. Minute papillon, pendant que j'étais en train de couper, je me suis rendu compte qu'il fallait que je vous montre ça. Donc l'aubergine, vous voyez, je l'ai coupée, je l'ai scindée en quatre. Et vous voyez le milieu, ben, en fait, il faut le retirer. C'est un goût amer qu'on ne veut pas. Donc ça, faut le retirer. Et ensuite, vous pouvez le couper en petits morceaux. De toute façon, vous verrez le résultat. Après, le reste, il n'y a pas vraiment de façon de couper. Vous coupez normalement. De toute façon, je vais vous montrer, vous saurez. Allez, la minute papillon est terminée. Bon, là, je vais faire la magie, je vais faire ça et après, vous aurez tous les légumes coupés et tout bien propre. Donc, on se retrouve maintenant. Voilà. Donc, nous avons ici les poireaux. Comme vous avez vu, j'ai coupé rond comme ça, en lamelles. Et l'aubergine, je vous ai montré dans la minute papillon qu'est-ce qu'il fallait enlever. Les oignons pour plus tard et toujours notre sakasaka. Faut savoir que d'habitude j'ajoute aussi la botte de petits oignons, mais là j'en avais pas trouvé. Donc du coup c'est pas grave, hein, même si vous ne trouvez pas, c'est pas grave. Poireaux, oignons, ça suffit amplement. Mais c'est vrai que voilà, des petites cives, voilà, la petite botte d'oignon. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que c'est, les petites cives là. Je mettrai la photo. Si jamais vous voyez pas de quoi je parle, mais c'est vrai que ça aussi je coupe et je rajoute aussi à la mixture. Voilà. Enfin bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre à cuire, bouillir, cuire ma viande. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de sel. Voilà, du sel normal, hein. Sel fin. Ah là là, voilà, comme ça.
C'est bon comme ça. Et bien sûr, je vais mettre le cube. Donc, je vais mettre pour commencer 2 cubes. Et ensuite, voilà. Et je vais mettre à cuire. Donc, un tout petit peu d'huile. Voilà. Oui, j'ai pas filmé, mais bien sûr, vous aurez besoin d'huile. Hein. Normal, la base. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre à bouillir à feu normal, moyen. Pas trop fort, ni trop... ni pas assez. Bon, voilà, j'ai mis la viande à cuire, à bouillir. Et du coup, oui, c'est vrai que j'aurais pu, pour les connaisseurs, j'aurais pu faire cuire d'un côté le sakasaka avec les légumes et la viande de l'autre. Mais j'ai une très petite cuisine et j'ai pas assez de casserole. Donc, je vais d'abord faire cuire la viande. De toute façon, ça va être assez rapide. Hein. Et ensuite, je ferai cuire le sakasaka. Je vais retirer la viande et faire cuire le sakasaka. Et de toute façon, vous verrez au fur et à mesure mes étapes. Comme ça aussi, vous pourrez bien voir comment, comment faire progressivement et pas tout mélanger et tout. Enfin, vous saurez comment faire la viande, ensuite les légumes, ensuite comment procéder. Donc, c'est plus intéressant aussi. Et puis, de toute façon, hein, ça n'a pas tant de temps que ça. La viande, ça va. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Donc, voilà, on se retrouve. J'ai fait cuire ma viande. Voilà, je l'ai retirée. Il y a un petit peu de jus, c'est très bien, on va laisser. Donc maintenant j'ai mis mon sakasaka et avec les poireaux et l'aubergine. Donc voilà, faut savoir que vous pouvez aussi très bien prendre les légumes, les mixer avant et mettre comme ça. Mais de toute façon, moi je laisse comme ça parce que de toute façon quand ça va cuire, ça va fondre. Voilà, je sais pas comment expliquer, mais ne vous inquiétez pas, on va même plus les voir. Donc voilà, maintenant je vais mettre un peu de sel aussi dans les légumes. Voilà, et je pense que c'est bon, hein. Quoique. Voilà, et aussi un cube. Voilà. 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 Ensuite, ce que je vais mettre, bien sûr, un petit peu d'eau. Je vais remplir ça d'eau. Un peu d'eau. Comme ça, on va laisser bien bouillir. Ah, ce sera une partie assez longue, hein, parce que faut bien laisser cuire les légumes, c'est très important pour éviter les mal de ventre. Enfin bref, je vais pas vous raconter ça, ça va casser le délire, mais voilà, en tout cas, ma casserole est prête à aller à l'action. Tac. Au niveau du feu, je vais mettre à 7. Hey, donc là ça fait 1h30 que j'ai commencé à préparer le gonja. Oui, ça prend énormément de temps. Ça c'est un petit détail que je n'ai pas dit, mais croyez-moi, il faut vraiment que vous préparez une journée pour suivre avec moi cette recette parce que ça prend énormément de temps. Mais ce qui est bien, c'est qu'à la fin vous avez une casserole remplie et... pour l'entendre, donc c'est aussi ça l'avantage. En tout cas, voilà, ça fait 1h30. Maintenant, je vais vous montrer où j'en suis, où en sont les légumes pour vous faire un petit topo, quoi. Donc, suivez-moi. Donc, voilà où j'en suis. Donc, voilà, vous avez vu, on voit à peine les morceaux, quoi, mais ça va encore plus fondre au fur et à mesure. Vous voyez déjà, le gonja a changé un peu de couleur. On va laisser encore bouillir pour que toute l'eau parte et que tout ça là se fonde bien, cuit et se fonde bien dans la mixture. Entre temps, bien sûr, j'ai baissé un petit peu le feu, j'ai mis à feu doux, donc 5. Voilà.
pour éviter que ça crame, parce que bon, on veut pas non plus que ça crame. Donc voilà, j'ai mis à 5 pour le moment, et si besoin, je baisserai encore. Et voilà, pour le moment, c'est très bien comme ça. Donc on laisse cuire. Hey, donc voilà où on en est. Vous avez vu, ça a bien cuit, tout ça. Maintenant, je vais retirer en enlevant... S'il y a un petit peu d'eau, je vais enlever en fait. Je vais retirer avec, avec ça. Je vais retirer avec ça afin d'enlever toute l'eau et juste garder les légumes. Donc, je vais faire ça tout de suite. Donc, voilà, j'ai enlevé donc les légumes, hein, le sac à sac, et j'ai retiré toute l'eau en fait pour juste avoir les légumes. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire revenir la viande ici avec la moitié des oignons, parce qu'on va en garder aussi pour la fin, et du cube magie. Donc voilà. Dans un premier temps, je vais mettre un peu d'huile. Voilà. Donc voilà, à 7. Donc voilà, je vais faire revenir. Je vais vous montrer ça. C'est parti. Donc, je laisse le jus hein, aussi. Je mets. C'est chaud! Faites attention. Hein. Queen of the highest producer. Voilà, maintenant les oignons ont bien caramélisé. Je vais maintenant ajouter le sakasaka gunja avec les légumes dans la viande, enfin avec la viande. Maintenant, je laisse mijoter à feu doux. Donc, je laisse à 6, voilà. Donc, je vais laisser afin que la viande et les légumes se mélangent bien. Et ensuite, je reviendrai pour ajouter la pâte d'arachide. Voilà, après une quinzaine de minutes, j'ai baissé à 5. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la pâte d'arachide. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai vidé le pot. Je vais maintenant mélanger et mettre un petit peu de l'eau pour pouvoir diluer tout ça et que ça cuit bien dans la sauce. Donc voilà, j'ai mis 2,5 pots d'eau. Donc voilà, c'est très très liquide, mais c'est important que ça prenne bien le temps de cuire. C'est pour ça que j'ai laissé à 5. Donc feu à peu près doux, ni trop chaud, ni trop fort, ni trop bas, pour que ça cuit bien la pâte d'arachide, parce que c'est très important qu'elle soit bien bien cuite en fait dans la sauce, pour pas avoir mal au ventre et tout ça. Donc voilà, là on va laisser bien mijoter. Voilà. Vous êtes toujours avec moi. Ouf, voilà. Donc j'ai laissé mijoter. Donc on va laisser un bon moment, voilà. On va surveiller au fur et à mesure, bien sûr, pour éviter que ça brûle, tout ça, tout ça. S'il faut baisser le feu ou quoi que ce soit. Mais là, ce sera vraiment la partie la plus longue. Dites-vous, j'ai commencé à 16h. J'ai commencé à préparer à 16h, il est 19h et quelques déjà.
Mais là, c'est vraiment la partie la plus longue encore parce qu'il faut vraiment laisser la pâte d'arachide bien cuire avec la sauce et que l'eau parte bien. Enfin, voilà, c'est vraiment la partie la plus importante. Mais après ça, ça va aller très très vite. Donc, vous inquiétez pas, on se retrouve juste après de toute façon. Et voilà. D'ici une bonne vingtaine de minutes, allez, je sais pas, hein, même plus. Hein. Enfin, au fur et à mesure, de toute façon, vous allez surveiller, voir si l'eau a diminué ou quoi. Et voilà, de toute façon, bah, je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc voilà, à toutes. Et voilà, donc petite astuce, dès que vous voyez que l'huile verte sort de la sauce, ça veut dire que c'est prêt, c'est cuit. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est l'ultime étape. Je vais faire frire ces oignons là avec un peu d'huile et frire avec l'huile hein, et du cube magie. Et je vais le mettre dessus, c'est la signature on va dire de la fin. Donc je vais vous montrer ça. Alors j'ai commencé à 16h, il est maintenant 20h45, j'ai passé donc presque 5 heures à préparer ce plat. Mais franchement, ça en vaut la peine. Vous pouvez manger ça avec du riz, du manioc, de la banane plantain, la semoule, le chikwang. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le chikwang, c'est du pain de manioc, super bon. Franchement, vous pouvez le marier avec plein d'accompagnements, ce plat, tellement il est bon, il se suffit à lui-même, il va avec tout. Tellement il est bon, il se marie avec tout. Vous pouvez manger même à la cuillère. J'abuse, mais franchement, c'est super bon. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, parce que c'est surtout ça en fait. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris à faire un plat de chez moi. Franchement, cette vidéo me tenait vraiment à cœur. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, commenter et partager un maximum pour montrer aux autres comment le faire, tout simplement. Parce que franchement, ça, je vous jure, ça en vaut vraiment la peine. C'est super bon. En tout cas, voilà. Moi, j'ai vraiment aimé faire cette vidéo et vous partager donc ce savoir et mon petit plat de chez moi, quoi, qui a bercé mon enfance. Donc, voilà. Je vais maintenant manger. Hein, donc, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.